Good morning, Aleiden et Yusra. Aujourd'hui, il est le Nishmat Amram Yona ben Chana Peggy bat Esther Nissim ben Aouda. Aussi, une fois, tout le monde, Kolotin Faina Simcha bat Masoudi Efrat Mayan bat la Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Edoyot, Perek Zayin, Mishnah Bet. Heid Rabbi Tzadok al Tzir Chagavim Tmeim Shehu Tahor. Chez Mishnah Rishona, Chagavim Tmeim Shenich Meshum Chagavim Tehorim. Lo paslu tziran. Dans notre Mishnah, on va parler des sauterelles. D'abord, il faut savoir, les sauterelles, c'est explicite dans la Torah, sont permises à la consommation à condition qu'il y ait certains signes. Il y a différentes espèces de sauterelles avec différentes pattes, quatre pattes et en plus deux supplémentaires qui sortent de la tête à peu près pour pouvoir prendre son élan et sauter. Il y a des signes qui sont apportés dans Shulchan Aruch Yoredea Siman Pehei. Ils sont apportés là-bas les signes. Donc, il y a des sauterelles permises à la consommation, et d'autres sauterelles qui sont interdites à la consommation. D'accord ? Maintenant, entre parenthèses, à notre époque, pour la plupart des communautés en tout cas, on ne mange plus de sauterelles parce qu'on ne sait pas les reconnaître, ou plus précisément, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, parce qu'on n'a pas de massorette, que son nom s'appelle un chagav, une sauterelle. Il faut nécessairement que l'espèce, que cet insecte s'appelle une sauterelle, et on n'a pas de transmission nette que c'est la sauterelle qui était permise par la Torah. Concrètement, c'est pour ça qu'on ne mange pas. On raconte qu'à ce qui paraît, certaines communautés du Yémen les mangent encore. Voilà. Voilà pour le côté sauterelle. D'accord ? Bon, le sujet de notre Misha maintenant, ça va être de parler du tzir chagavim. Alors, le tzir, maintenant, on va expliquer d'abord c'est quoi un tzir. C'est une notion qu'on rencontre fréquemment dans le chasse. Je ne sais pas si à l'époque, il y a encore des gens qui mangent ça. C'est un courbouillon, la traduction. En fait, dans les poissons et aussi dans les sauterelles, on avait l'usage de les mettre à tremper dans un bocal avec de l'eau, avec une saumure. Et en fait, cette sauce prenait un certain goût. Ça faisait sortir du sang, ça faisait sortir, ou plutôt, il y a deux endroits où plutôt on mettait uniquement du sel et puis ça faisait sortir une eau comme ça, une eau salée qui prenait un certain goût. D'accord, on en parle fréquemment du tzir pour plusieurs halakhot. Dans notre Mishnah maintenant, le problème va être de savoir quel est le statut du tzir des sauterelles assourot. On traduit dans les mots et puis ensuite on explique un peu mieux de quoi on parle. Il y a plein de discussions, c'est assez complexe. Il y a plusieurs avis, ça va un peu dans tous les sens en fait. Heid Rabbi Tzadok, il a témoigné Rabbi Tzadok. Al tzir chagavim tmeim, sur une sauce salée, des chagavim tmeim, des sauterelles impures. Chagav, c'est une sauterelle, donc impure, donc non permise à la consommation. Chez Houtaor, que malgré tout, cette sauce qui va en sortir, ce courbouillon, il est permis, il est pur. La discussion, ça va être de savoir pur à la consommation, permis à la consommation donc, ou bien pur juste que par rapport aux lois d'impureté, mais bien sûr qu'il sera interdit à la consommation. On va expliquer ensuite. Chez Mishnah Rishona, car la première Mishnah, avant que Rabbi Tzadok vienne porter son enseignement, son témoignage, alors on tenait comme enseignement, comme Mishnah Rishona, Chagavim Tmeim Shenich Beshu, Im Chagavim Tmeorim, on avait pour enseignement que si on avait salé ensemble dans un bocal, dans une saumure, des Chagavim Tmeim, des sauterelles impures, en même temps que des sauterelles pures. Shenich Beshu, Lichbosh, c'est faire une gvisha, ça signifie qu'on les met à tremper avec dans une saumure. D'accord ? Donc, l'opas lutziran, la sauce qui va couler des sauterelles impures, ne rendait pas impur, pas soul, tout le reste de la sauce. On explique un petit peu mieux de quoi on parle. D'abord, il y a eu deux étapes dans la halakha, avant le témoignage de Rabbi Tzadok, après le témoignage de Rabbi Tzadok. Quoi qu'il arrive, la saumure mélangée qui a été issue donc de sauterelles impures, il y avait une certaine permission. Initialement, cette permission, elle était de niveau 1, et puis ensuite, après témoignage de Rabbi Tzadok, on l'a mis au niveau 2. Le niveau 1, c'était quoi? C'était juste de te dire que s'il y avait cette saumure où avait trempé dedans des sauterelles impures qui s'étaient mélangées avec des sauterelles pures, alors ça rendait pas inapte, impur. Et l'opaslou, il y a écrit dans la Mishnah. Tandis que
après le témoignage de Rabbi Tzadok, alors on est parti un pas plus loin, en permettant même complètement, en disant que c'était pur. De quoi on parle? On va d'abord se concentrer sur l'explication du Rambam, qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, en fait. Je l'ai ouvert ici sous les yeux, parce que j'ai eu du mal à comprendre, en fait. Il y a ici, je vous lis, dans Shulchan Aruch Yoredea, Siman Pehei, Alacha Gimel, Tzir Chagavim Tmeim, Mutar. Comme ça, c'est tranché dans l'Alacha, dans le Shulchan Aruch, que cette saumure, ce courbouillon qui va sortir des sauterelles impures, il est permis. C'est-à-dire, si je prends des sauterelles impures, je leur mets dedans, je les sale, et ensuite, je vais récupérer cette sauce. Et bien, même si je n'ai pas le droit de manger la sauterelle, parce qu'elle est impure à la consommation, j'aurai le droit de manger cette saumure qui va couler, cette sauce qui va couler, j'aurai le droit de la manger. Pour quelle raison? C'est pas logique. Abaminatametame, de manière générale, tout ce qui provient d'un aliment impur, il est impur. Il y a même une question dans la Gemara, qu'est-ce qui nous permet de manger du miel? On sort de Rosh Hashanah, on a mangé du miel, l'abeille fabrique le miel, comment on peut manger le miel? Et la Gemara répond, en fait, non, c'est parce que l'abeille, elle vomit ce qu'elle a ingurgité, mais c'est pas qu'elle le fait sortir de par ailleurs, c'est pas une production de son corps. En tout cas, en théorie, il y a un problème de tout ce qui vient à Abaminatametame. Si on prend du lait d'une chienne, on n'a pas le droit de prendre son lait, parce que le chien, il interdit la consommation, donc son lait, il interdit la consommation. De ce fait, comment c'est possible qu'on aura le droit de consommer ce tzir, et d'expliquer plusieurs méfarchim, c'est rapporté ici, notamment dans le Tiferet Israël, que, non, c'est rapporté dans le Barthénor directement, on va le faire dans les mots, je pense, que c'est juste, c'est pas ce qui va sortir, c'est pas quelque chose c'était pas un liquide qui a été produit par son corps, c'était plus de l'eau qui était déposée extérieurement, mais en tout cas, ce n'était pas intrinsèque à l'animal, c'est pour ça que c'est permis. C'est comme ça que le Rambam, il étudie. Et donc, on a les deux étapes qui nous disaient, donc, quand il y a marqué, dans la Mishnah, « Al-tzir ragavim tmeim shehu taor » qu'il est pur, c'est-à-dire qu'il est même permis à la consommation. Comme ça, le Rambam explique. Et de ce fait, alors on explique qu'initialement, on permettait juste le mélange, tant qu'il s'annulait dans une autre sauce, qu'il y avait quelque chose d'autre qui était permis, ça se mélangeait, alors on permettait le mélange. Et Rabbi Tzadok est devenu, il nous a appris que tu as le droit même de manger directement le tzir, ce courbouillon. Juste à titre indicatif, il y a le Ra'avad qui a une toute autre explication, qui explique qu'on est dans l'Ilchot Touma Vetahara uniquement. La question était de savoir est-ce que c'est considéré comme du sang ou c'est pas considéré comme du sang. Il est venu nous apprendre que non, ce n'est pas du sang. C'est le Malach du Ra'avad. Et si ça vous intéresse encore plus, dans le Char, c'est rapporté ici, il rapporte qu'il y a différents avis en fait. Il y a encore un troisième avis, comment expliquer cette Mishnah. Et concrètement, il dit d'éviter de manger ce tzir chagavim. Donc si vous avez faim, eh ben, ne vous mettez pas à tremper votre pain dans la saumure qui va couler des sauterelles, parce que c'est interdit, selon Jar. D'accord? On fait ça dans les mots maintenant, dans le Barthénora. L'opaslu et tziran, ils n'ont pas rendu inapte leur courbouillon. Donc on s'apporte sur la fin de la Mishnah. Ils ont toléré pour le courbouillon qui va sortir des chagavim tmeim, qui ne va pas rendre assour le mélange. C'est-à-dire, c'est rapporté en tant que comme c'est krachamim, on fait une kula parce qu'en fait, selon la halacha, il y avait des halachot de bitul, berov, et krachamim on dit cette fois-ci, bien que de manière générale, Bitol Berov, on ne s'appuie pas dessus tant qu'il n'y a pas 60. Cette fois-ci, Chachamim, ils ont permis. Pourquoi? Car ce n'est pas considéré comme du vrai sang, mais plutôt comme une sorte d'humidité. Mais donc, dans la Mishnah Rishona, c'était la seule permission qu'on connaissait. Et puis, Vezoa est à Mishnah Rishona. Telle était la Mishnah Rishona, l'enseignement initial qu'on avait. Mais depuis le témoignage de Rabbi Tzadok, alors Hosif al Mishnah Rishona, il a ajouté sur la Mishnah Rishona en nous disant non. Ce n'est pas que leur mélange qui est permis, mais que entièrement chez Hutaor, des lomi baedeno seratarovto, car non seulement il ne rend pas inapte à la consommation son mélange, elle a filou atzmotaor, mais lui-même il est permis à la consommation. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de slacha, comme tout vous savez.